Salut à tous les amis, c'est RedBullish HD. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et sur IHF Handball Challenge 12. Le match le plus important du groupe A, le voilà, face à l'Allemagne. On avait réussi à se mettre en confiance avec une victoire 46-28 face à Bahreïn. On est pour l'instant, enfin, sans faute, on est à 6 points. Mais attention à ne pas se faire surprendre par cette équipe d'Allemagne qui est très très forte. Mais on est dans les meilleures conditions pour gagner ce match. On joue en blanc et non en bleu. Voilà. Continuez. Donc là, on met la meilleure équipe possible. Voilà, on laisse comme ça. À part qu'on enlève Didier Dinard. Quoique, il est très bon, Didier Dinard. Oula, 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 oula. Retour. Didier Dinard, Guigou. Donc au meilleur dans les buts à gauche. Donc en numéro 1, on a Mikael Guigou. En 2, Karabatic. En 3, on a Dinard. En 3 bas, Dinard, 3 haut, Fernandez. En 4, on a Barraché. Et en 5, Abalo. Nickel. Je suis en train d'en regarder. Non, c'est bon, tout va bien. On y va. En fait, c'est toujours pareil. Allez, on le sent bien celui-là. J'espère vraiment que ça va. Ça va être le vrai match, le bon match que je vais pouvoir faire. Enfin voilà. Allez, désolé, je parle pas beaucoup là, mais je suis vraiment concentré sur ce match. Allez, c'est parti. Didier Dinard qui va lancer ce match. Et c'est parti. Allez. C'est parti pour ce match, le match le plus important du groupe A, le voilà, enfin, sur le papier du moins. Et c'est Lucas Ballot qui ouvre le score. Lucas Ballot, 1-0 pour l'équipe de France. On va jouer en 1-5 comme d'hab. Et voilà, allez, on a l'occasion de prendre 2 buts d'avance. Oula, c'est bon, Barraché. Allez, on va tout de suite faire une rentrée d'ailier. Il a mordu. Arrêté par le gardien. Touche pour nous. Touche. Ah non, touche pour eux, c'est moi qui la sors. Ah bah écoute. Là par contre, je suis un petit peu mal placé. Allez, c'est reparti. Je joue avec Dinard. Dinard. Et l'arrêt du gardien encore. Très très bon le gardien de l'Allemagne. Allez, on défend bien. Bien joué au meilleur. C'est le duel des gardiens. Deux très bons gardiens. Ah, l'arrêt. On y croit, on y croit, on y croit. Allez. C'est chaud, hein. Je parle pas beaucoup, il n'y a que 1-0 et ça fait 3 minutes qu'on joue. Ah, le lob, égalisation, un partout. Allez, Fernandez, Barraché, Fernandez. Allez, ça va jusqu'à l'aile. Guigou, Karabatic. On va tenter un petit croisé. Et il n'y est pas allé. Frappe et corner. Corner. Allez, c'est parti. Tire à la hanche. C'est récupéré par Didier Dinard. Et but. Allez. Oula, Barraché, tu montes un petit peu haut là. Allez, c'est tranquille. Pour au meilleur sur cette frappe un petit peu lointaine quand même. Allez. Je tente la frappe et but. 3-1, but de Fernandez, pleine lucarne. Allez.
Encore la grosse frappe. Et cette fois-ci, oula, c'est récupéré. Et l'arrêt d'Omeyer. Mais quel arrêt. Quel arrêt. Énorme. Fernandez, bah, Karabatic. Allez, pour le 4-1. Une petite croisée. Un croisé, non, il n'a pas fait le croisé. Le tir et but. But, 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 but. Excellent. Ah, il l'a mise. Bon, pour l'instant, ça va, on arrive à bien gérer. Mais il y a trop de déchets dans la finition. Ils ont un très bon gardien. Et là, c'est Abalo. Abalo. Et but. Pleine lucarne. J'ai vu le petit espace. J'ai réussi à me faufiler justement dedans. Allez, très bien défendu. On le repousse. Bien fait. Et l'arrêt. Oh, penalty. Dommage que Omeyer fait l'arrêt. Allo Omeyer. Allo Omeyer. Et l'arrêt d'Omeyer. Arrêt d'Omeyer sur ce penalty. Quel match des deux gardiens. Guigou. Et but de Mickaël Guigou. Allez. Et c'est parti Karabatic avec Didier Dinard. Didier Dinard. Didier Dinard. Et le but. 7-2. La France qui prend largement le dessus dans cette première période du moins. Une faute. On les fait reculer, c'est bien. Ah là par contre je me suis fait bouffer, il a pas voulu le prendre. Allez, Fernandez. Arraché. On va tenter un croisé à droite. J'arrive à frapper. Allez, corner. Ah, d'accord. Allez, une grosse faute histoire de. Allez, je le repousse. Ah merde, ça fait but. Allez, Fernandez, Karabatic. Allez, on tente encore un croisé, ça passe pas. Mais par contre, Fernandez, il est passé lui. Et l'arrêt. L'arrêt. Allez. Bien joué au meilleur. Mais heureusement qu'il est là, dis donc. Je l'ai pas fait jouer les deux derniers matchs. Mais je préférais le garder pour l'Allemagne. Et là, par contre, attention. Ouh, il aurait pu aller au shoot. Deux minutes. Ok, pourquoi, je sais pas. Et but, 7-5 qui remonte. On a toujours deux buts d'avance. 3 maintenant. Oh putain, je croyais qu'elle allait sortir. C'est vrai qu'on est en 1-2 minutes. Non, on va temporiser. Là par contre, on va pas temporiser, on a de la place. Et but de Luis Caballo. Allez. On y va. Karabatic. Qui tente la feinte. Et l'arrêt. L'arrêt du gardien. Et petit lob. 8-6, allez. On est devant pour l'instant. On n'a jamais été inquiété. Du moins pour l'instant. Allez. On va temporiser. On fait tourner. Ça y est, il est revenu. Et but de Luis Caballo. Bien joué au meilleur, il est encore là. Il est incroyable. Il est incroyable. Et but. Oh, j'ai bien réussi à gérer là. Bien joué Guigou. Tout le monde participe, c'est rare d'habitude. Il y a toujours un qui marque et l'autre qui. C'est toujours un ailier qui marque. Bon là, Luis Caballo marque toujours autant. Là, il y a zone. Et oui,
Fernandez, Barraché, Abalo, Barraché, Fernandez. On va tenter une rentrée d'ailier. Côté droit, ça marche. Je frappe et but de Jérôme Fernandez. Parfait pour l'instant, tout va bien. Attention de ne pas faire faute. Enfin, si, il faut que je fasse faute, mais attention à ne pas faire une faute bête. Voilà, bien joué. Ça, c'est beau. Allez, ok, touche pour eux. On va peut-être atteindre la phase finale. Enfin, d'abord, il y aura un match contre l'Espagne. Mais déjà, si on gagne ce match, attention. Ouh, dommage. Je pensais qu'il l'avait prise. Il l'avait arrêté au meilleur. De toute façon, au meilleur, il peut tout me faire. C'est incroyable. Ok, on va tenter un croisé du côté à Karabatic. Il a pas suivi, mais je suis passé. But! Allez. Ok, penalty. Allez, au meilleur. Ah, celui-là par contre. Je me suis fait niquer. Dinard. Ah, Abalo. Il est passé avec sa fin de corps, bien joué. Allez, allez, allez. Oula, par contre, je me suis niqué là. Putain, but. Bon, ça va 13-9, je suis pas non plus à plaindre. Fernandez, Barraché, Abalo, Barraché. Allez, là par contre, cette fois, on tente le croisé avec Karabatic. Espérons qu'il va suivre. Il ne suit pas, mais je suis encore passé. Ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Allez, bien joué. Bien joué. Oh non! Si, c'est bon. Donc là, par contre, fais ta passe, voilà. Et le but, 14-10. Abalo et but de Lucas Abalo. Très très bon. Allez. Là je suis concentré donc je parle pas beaucoup. J'ai vraiment pas envie de perdre ce match quoi. C'est vraiment le match qu'il faut pas perdre. Ok, Fernandez. On va tenter un croisé à droite. Ah merde! Je me suis trompé de touche. Je me suis trompé de touche. Allez. Oh, il a réussi à passer. Fernandez. Barraché. Lucas Abalo. Et but de Lucas Abalo. Magnifique. Ah, je me suis fait niquer. Ouais. Ok, c'est bon. Contre-attaque. Bien mené. Lucas Abalo à la finition. Et pff, ce but. 17 à 12. Enfin, 12 à 17. Il reste 5 minutes avant la mi-temps. Je fais aucun changement. Pour l'instant, ça tient. Par contre, on commence à prendre des buts. Donc, tant qu'on en met et qu'on en prend, ça me va. Tant qu'on reste avec l'avance. Mais attention, quoi. Faire attention. Allez. 2 minutes. J'ai pas compris pourquoi, mais bon, 2 minutes. Ok. Pour c'est qui? C'est Barraché? Fernandez? Non. Je sais pas qui c'est. Guigou? Ah, c'est Guigou? Je sais pas. Je vais te dire. Voilà, 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 voilà. C'est Guigou. C'est Guigou qui a pris. Voilà, par contre, 14-18. On va tout de suite faire les changements. Parce que là ça ne tient pas. Bon, Abalo est là. Barraché, il a du mal là. Donc on va faire rentrer. On va faire rentrer Bosquet. De toute façon, on a pas trop de choix en arrière droit. On va faire rentrer Bosquet. Et Akambré va rentrer à la place de Karabatic. Voilà, on va faire comme ça. Allez. Je le sens bien. Ah, ok. Bon, bah écoutez.
Bosquet, Abalo, Bosquet, Fernandez, Acambré, la puissance d'Acambré et la grosse puissance d'Acambré même. Magnifique. Allez. Oh là 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 là. Fernandez, Bosquet, Abalo, Bosquet, Fernandez, Acambré, Acambré. Ouf, le poteau. Et là, attention par contre. Parce que je vais quand même m'oublier qu'on était moins 1. Ah non, c'est bon, on est complet. Quel contre, magnifique. Oh non, je la mets contre mon camp quoi. Ok, Fernandez. Acambré, ça va vite. Ça va vite sur Abalo. Et Abalo qui marque. 20 à 16. Magnifique. Pour l'instant, ça colle. Pour l'instant, c'est génial. Pour l'instant, c'est nickel. Tout va bien. Allez, Bosquet, bien défendu. En retournant 1-5. Et là, c'est Bosquet qui intercepte le ballon. Bosquet qui joue avec Fernandez. Fernandez qui décale Abalo. Abalo qui a juste à poser son ballon dans le but. Et c'est fait. Avec élégance en plus. Allez, en 1-5 toujours. 2 minutes, ah ouais, par contre j'appuie un petit peu sur tous les boutons. C'est pas grave, tant pis. Allez. Je le sens bien. Ah, but. 17-21. Ok, on va temporiser. Normalement, il va pas tarder. Abalo, bien joué, Abalo, bien joué, bien joué, bien joué à 30 secondes de la fin. Allez, on défend bien. Ah, dommage. Allez, c'est Fernandez. Frappe de Fernandez et but! Juste avant la fin du match, enfin à la fin de la première mi-temps. Perfect. Ok. 18 à 23. Pour l'instant, c'est génial, ça colle. Parfait. Allez, on va continuer. C'est parti. Oh, c'est un petit peu trop précipité. Mais c'est bon, c'est Fernandez qui récupère la balle. Fernandez, Dinard. Dinard qui est passé, Dinard la frappe et but. Le gardien la touche, mais but quand même. Allez. Ah, allo meilleur, allez pour toi. Ah, dommage au meilleur. Dommage au meilleur, c'était presque. Allez, Fernandez, Bosquet, Abalo, Bosquet, Fernandez. On fait un croisé à droite, il a bien suivi Bosquet, Bosquet. La frappe et non. Ah, j'aurais peut-être pu l'avoir. C'est un petit peu plus tard. Ok, c'est bon. C'est bon pour au meilleur. Il est là, il est présent. Wow, hop les. Touche. Putain, je croyais pute. Ah putain. Ça va pas ça. Pas grave, allez. Fernandez. Bosquet. Abalo, il a toute la place qu'il veut. Et but. Pleine lucarne. Il arrive à la mettre où il veut sa balle. C'est impressionnant. Impressionnant. Allez. Oh, au meilleur. T'es sérieux. Oh putain. Allez, Fernandez. Abalo. Bosquet. Ça fait longtemps. Une petite rentrée déliée, ça fait toujours plaisir. Fernandez qui n'arrive pas à marquer, enfin qui n'arrive pas à prendre le dessus. Allez, petit ceinturage. Ah non, hop là, petit bug des 3 secondes. Nickel. J'aime bien ce bug. Allez, Fernandez, Bosquet. La feinte. Voilà, par contre, celle-là pour la mettre, fallait y aller. Mais touche. Touche pour nous. On peut relancer tranquillement. Ok, derrière.
Pâturage pour nous. Ok, allez. La feinte et le but. Bien joué, allez. Eddie Dinar, on défend bien. Ah, il a du mal à défendre bien. Bien joué au meilleur. Il a, il est présent. On va faire un petit changement. Dinar, tu vas sortir. Et tu vas faire, on va faire entrer Cédric Sorindo. Junilon va sortir à rentrer à la place d'Acambré. Guigou va sortir et c'est Onrubia. Samuel Onrubia qui va rentrer. Et Karabatic va rentrer en demi-centre. Voilà. C'est parti, Karabatic. Bosquet, Karabatic, Junilon, Karabatic, Bosquet. On va tenter un croisé avec Junilon, il a pas suivi. Tant pis, je le lance manuellement. La frappe. Et non. Et non. Oh là là. Deux minutes pour eux. Ça, ça me plaît. Allez. Hop. Junilon. Bosquet. Et but de Abalo. 27-22. Ah, putain, au meilleur, presque. Dommage au meilleur. Voilà, par contre, il y a de la place. Le Caballo, il peut s'amuser. Et oui, il peut. Il peut. Oula. Ouais, je fais faute. Oh putain. Au meilleur, il avait réussi à l'attraper. Ah putain. Oh là là, au meilleur. Mais il est tout simplement incroyable. Il est incroyable. Oh là là. Allez, Caballo. Bosquet. Karabatic, je tente la frappe des accès. Ah, la barre. Mais ça revient sur Onrubia. Il n'y a plus qu'à la mettre au fond. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. 6 buts d'avance. Très très bien face à l'Allemagne. On a très bien commencé ce match. Attention, attention quand même à pas faire d'excès de confiance. Parce que c'est comme ça qu'on prend des buts cons. Allez. Oula. Il y a du monde. Et là par contre, je la tente. Oh putain, le gardien était dessus. Allez, hop, je ceinture histoire que tout le monde se replace. Allez, fais ta passe. Ouais, je fais faute, nickel. Allez. À la mettre. Putain. Et Abalo, toujours lui. Qu'est-ce qu'il est bon. Oh putain. Allez. Allez, c'est parti. Ah non, j'ai raté ma passe. Mais c'est bon, allez, il rate la sienne aussi. C'est parti avec Junilon. Junilon. Ah. Ah, je suis deg. Allez, tout le monde sur place. Oh merde. Ah, j'ai pas. Je regardais autre chose. J'ai regardé à côté de mon écran en fait pour voir ce que j'avais vu. Quelque chose qui m'a perturbé. Ce n'était qu'une simple mouche. Qui passait par là. Et allez, Junilon. Bien joué au meilleur. Heureusement qu'il est là, putain. Allez, c'est maintenant qu'il faut enfoncer le. Ok. Ok.
pas de ralenti là? Non, il y a pas de ralenti. Ah dommage parce que là. C'est dégueulasse. Ok, Karabatic. But, tranquille. Allez. Oh, ils veulent faire des trucs. En même temps, c'est pas n'importe qui comme équipe. Oula, par contre, oui. Ouais, là, oui. Je le prends. Je prends la jambe. Bien arbitré. Ah, mais merde. C'est pas moi qui ai la balle. Suis-je bête? Et là, ouais, forcément, ils sont. Ils sont plus sains. Ils sont en supériorité numérique, donc. On va faire un changement. Ok, Lucas Ballot, tu vas sortir. Et c'est. Guillaume Joly qui va rentrer. Et Bosquet aussi, tu vas sortir. Barraché, tu vas re-rentrer. Voilà. Normalement, ça sera bon. Allez, Karabatic, Barraché. Et c'est Guillaume Joly dès le début qui prend le dessus. Voilà, à peine arrivé. Ça me plaît. Ah. Ouh, attention, il n'y a que 4 buts d'écart. 5 si je mets celui-là, mais. Déjà on va temporiser. On va attendre que Junilon re-rentre. Ah non, il n'aura pas le temps. On va avoir un jeu passif. Ok, on va tenter de suite une rentrée d'ailier. Et but, poteau rentrant. J'ai de la chance. Ok, il va arriver normalement. Voilà, c'est bon. Zone. Excellent. Karabatic. Allez, Guillaume Joly. Et but. Nickel. Petite feinte et ça passe. Ah. Oh là là, Guillaume Joly. Il s'ouvre l'angle d'une façon intelligente. Enfin, sur. Voilà, c'est super dur de faire ce qu'il fait, quoi. Il est pas en équipe de France pour rien. Allez. Sorindo. Pour. Ah, j'ai l'air pour Game Joly, mais non. Allez. Un ceinturage, donc tout le monde se replace. Il reste 10 minutes à jouer. Virtuel, bien sûr. Ah, c'est bon, zone. C'est tranquille. Allez, c'est parti le contre. Sorindo. Il est passé avec la feinte. Et le but de Cédric Sorindo. Nickel. Là, par contre, il est passé. Ok, on le pousse. Tranquille au meilleur. Bien joué. Et, ah, il y a touche. Je pensais qu'il y avait renvoi du gardien. Ok. D'avance à 10 minutes de la fin, ça sent bon la victoire. Moi je vous le dis, si on perd, je ne comprends plus. Et là, c'est parti avec Karabatic. La fin, 2 minutes, excellent, très très bien. Mais ça me plaît. Ok, il est parti. Oh, voilà. Ceinturage, tout le monde se replace. Ah, il est tout seul. Ah bah oui, bah oui. Allez. Oh, Guillaume Joly, il a de la place. Et but, 39-31. Allez, moi je dis on vise le 50. On vise le 50, celui-là je le prends. Je le visais face à Bahreïn et finalement je vais peut-être l'avoir face à l'Allemagne. Chose que j'aurais jamais imaginé. Oula. Ah. Allez. Allez, déjà on va viser le 45 comme à Bahreïn. Donc on va jouer simple. J'ai dit on va jouer simple. Allez, c'est parti. C'est parti. Oh le but. Oh le but au premier poteau de Samuel Rumbia. Allez, 40. Le 40, c'est fait. On va garder la même équipe.
fois il est en retard. Il peut pas se relever assez vite. Allez m'arracher. Guillaume Joly, il est passé. Ah, le poteau. Il est contré, ça fait poteau. Ah! Bon bah je crois que j'aurai pas le 50 encore sur ce match. Peut-être face à l'Espagne. Oh là là, à chaque fois. Ok, je fais faute. Ok. Sorindo. Par contre, c'est bizarre que ce soit le pivot en fait qui soit devant la défense. Ok, tranquille pour toi, mais c'est bon. Ok, but. Ok, c'est bon, allez. Sorindo. 2 minutes. Ça va être l'occasion vraiment d'enchaîner. Et but. 42-34. Enfin, 34 à 42. On y arrive, c'est bon. Normalement c'est bon, il reste 4 minutes ouais presque. Ok c'est bon meilleur, t'es là, t'es présent. Karabatic. Ah oh, pas de ce côté là. Bon c'est pas grave. 57. 3 minutes. Oh, bien joué. Et au meilleur qui est là. Toujours présent. Allez, barracher. Et but. 35 à 43. La victoire est là. L'équipe de France qui remporte son 4e match sur 4. Enfin, sur 5. Parce que, mais bon, il a pas encore fait le 5e. Face à l'Espagne. L'Espagne qui va être 2e normalement. Dis-toi bien. Ah, le lob. Dommage. Le meilleur qui a été excellent en début de match. Et les buts d'avance, c'est sûrement grâce à lui. Et Guillaume Joly, très très bon aussi. Allez, le 45, on va l'avoir. Le 45, on va l'avoir. Ah! Allez, sur celui-là, le 45. Ok. Du gardien, il reste une minute à jouer, enfin un peu moins d'une minute. On l'aura pas le 45. Allez, tire. Faut qu'il tire. Ok, renvoi du gardien. Il reste 10 secondes. Allez, oh bah non. Vas-y, tirer de plus loin. Allez, victoire, fin du match. Victoire 37 à 44 de l'équipe de France face à l'Allemagne. Excellent. Ah ouais, en fait non, l'Espagne est meilleure que l'Allemagne. Donc l'Espagne, ça va vraiment être le gros match. Enfin, il y a deux gros. Enfin, c'était bon aussi l'Allemagne. Hein. J'aurais pas eu un de meilleurs aussi bon en début de match. Le score n'aurait pas été le même, je pense. Alors écoutez, je vais vous dire à la prochaine pour le dernier match du groupe A. Face à l'Espagne, on est déjà qualifié sûr. Et regardez qui c'est qui est en deuxième position. La Tunisie à 6 points. Donc si je gagne contre l'Espagne, la Tunisie, si elle gagne contre son dernier match et face à l'Allemagne, ouais. Si elle gagne contre l'Allemagne, la Tunisie sera en quart ou en 8e. Enfin voilà, c'est simplement énorme. Parce que je sais pas du tout quand c'est ouais. Je comprends rien ici. Bref, le but c'est de gagner. Et donc je vais essayer de gagner le prochain match. Allez, n'hésitez pas à vous abonner pour rester au courant de l'actu. Blah, je galère.
N'hésitez pas à vous abonner pour rester au courant de l'actualité de la chaîne. Pour ça, vous avez aussi ma page Facebook et mon Twitter. Vous pouvez aussi lâcher un petit pouce vert, ça fait toujours super plaisir. Et un commentaire si vous voulez me dire quoi que ce soit. Allez, je vous invite à regarder mes autres vidéos ou alors à attendre la prochaine si vous avez déjà tout vu. Je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.